Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on continue sur la mobilité urbaine avec un test de scooter électrique. On m'a prêté le Revival de la marque Neko, qui est une marque belge. Le test du Revival, c'est tout de suite sur TechNesh. Le scooter est proposé en deux couleurs, donc soit bleu, soit vert, donc l'exemplaire qu'on m'a donné est bleu. Niveau design, tous ceux qui ont vu ce scooter électrique ont vraiment beaucoup aimé le design. De loin, on dirait vraiment un Vespa. Bon, la qualité de fabrication en moins, mais ça, on va le voir juste après. Mais franchement, c'est très réussi. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir un scooter italien assez moderne, donc c'est cool. Il n'y a rien à dire sur ce scooter en termes de design, c'est vraiment super cool. Ce scooter électrique est un équivalent 50 cm3, ça veut dire qu'il va au maximum à 45 km/h. Niveau motorisation, le scooter est équipé d'un moteur Bosch sur la roue arrière. Donc Bosch, c'est un peu la marque phare sur les deux roues électriques, donc que ce soit les vélos ou les scooters électriques, c'est vraiment des excellents moteurs. C'est un moteur de 3000 watts. Niveau batterie, le scooter est équipé de deux batteries LG de 20 Ah. Donc en théorie, on est censé avoir 45 km par batterie. En pratique, en mode sport, qui est le seul mode qu'on peut vraiment utiliser sur ce scooter, on fait à peu près 30-35 km maximum par batterie. En termes de poids, il pèse 88 kg. Par contre, je sais pas si ce poids c'est avec ou sans batterie. En tout cas, je trouve que la majorité du poids est concentré sur l'arrière du scooter, ce qui fait un peu bizarre. Je trouve que la répartition est pas idéale quoi. Niveau frein, le scooter est équipé de freins à disque qui m'ont l'air assez standard. Alors ceux que j'ai sur ce modèle là couine un peu, ce qui est un peu flippant sur la durée de vie des freins, mais peut-être que c'est juste mon modèle d'essai. J'ai rien à redire sur ces freins, ils sont vraiment corrects sans plus quoi. Il y a deux modes dispo sur ce scooter, le mode 1 c'est le mode éco, le mode 2 c'est le mode sport. Vous oubliez le mode éco, il sert à rien. Déjà que le mode sport, je le trouve pas assez puissant, mais alors le mode éco, c'est une catastrophe. Le scooter coûte 3349 € avec les deux batteries LG, le moteur Bosch de 3000 watts et le coffre à l'arrière. Franchement, ça a l'air comme ça pas cher, mais en fait, c'est pas exactement le cas, vous allez le voir juste après. La qualité de fabrication n'est pas à la hauteur du design du scooter de manière générale, ça fait quand même assez plastique. Je suis pas hyper rassuré sur les matériaux utilisés. C'est là où on voit qu'en fait, les 3349 €, on les met dans les deux batteries LG et dans le moteur Bosch, mais sûrement pas dans la carrosserie. Niveau rétro, ils me font un peu penser à ceux du Hounou, même s'ils tiennent plutôt bien cette fois-ci, donc ça c'est cool, mais c'est pas non plus des rétros exceptionnels. Et même au niveau des poignées, on est sur du plastique, c'est vraiment une finition en fait entrée de gamme. Alors je vais faire mon difficile, mais j'aurais préféré un tableau de port un peu plus vintage. Tant qu'à faire, si on parle de scooter italien, j'aurais aimé avoir quand même le style un peu italien dans le tableau de bord. Là on est vraiment sur un truc hyper sommaire, un écran, la vitesse, le pourcentage de batterie restant, le nombre de kilomètres restant, et voilà, c'est tout. C'est vraiment hyper sommaire. Truc par contre très bien, c'est qu'il y a un coffre à l'arrière. Ça, c'est vraiment assez rare et de série, enfin de base quoi, sur le scooter. C'est super pratique, surtout que comme vous l'avez vu sous la selle, bah il y a vraiment pas beaucoup d'espace. Donc dans le coffre, j'ai pu ranger tranquillement mon casque, donc c'est vraiment bien. Et c'est pour ranger aussi quelques courses quand on en a besoin. Niveau motorisation, c'est 3000 watts. Normalement, c'est un moteur quand même assez puissant. C'est exactement le même qu'on a sur le Hounou et que j'avais trouvé assez puissant et puis qu'il y avait une bonne courbe d'accélération. Mais le problème avec ce scooter, c'est qu'en fait, quand on démarre, il y a un gros à-coup. Et puis après, au fur et à mesure qu'on prend de la vitesse, l'accélération diminue. Et ce qui fait que c'est très frustrant. On a l'impression de dépasser tout le monde au début et puis après, c'est tout le monde qui nous dépasse quoi. Donc je trouve que ça a été très mal géré sur ce scooter. Et c'est dommage parce qu'avec un moteur de 3000 watts, moi j'en attendais vraiment beaucoup plus. Dernier truc que j'ai trouvé un peu hallucinant sur les batteries, c'est que si vous voulez changer de batterie, faut le faire à la main en fait. Hop, faut changer l'alimentation. Alors que j'ai vu des scouts en fait qui s'en sortaient très bien et où l'alimentation de deux batteries en parallèle était largement possible. Bon, c'est cool tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il donne en utilisation réelle. On va s'équiper, le casque obligatoire évidemment, et puis les deux gants qui sont maintenant une obligation. On enlève la béquille. On démarre le scoot et c'est parti. Première impression déjà, le scooter fait zéro bruit. J'ai jamais conduit un scooter aussi silencieux en électrique. C'est hallucinant. Alors moi je trouve ça très bien, il y en a qui diront que c'est un peu dangereux. Mais en fait c'est juste une question d'habitude et puis il y a toujours le klaxon si jamais il y a un problème. Je trouve que sur les pavés, pas de problème, on passe détente. Ça bouge un peu, mais beaucoup moins que le Hounou, par exemple. Voilà, on va tester la vitesse max. Alors, on va pas à plus de 47 km/h, mais c'est normal pour un 50 bridé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un certain pourcentage de batterie, en fait, on commence à avoir une vitesse maximale de 40 km/h. Bah, j'ai trouvé ça très surprenant au début. Là, on voit vraiment la courbe d'accélération. C'est-à-dire, j'ai doublé tout le monde au début.
Et après, pour arriver à 45 km/h, pour un peu de temps, je trouve ça dommage vraiment qu'ils aient mal calibré l'accélération, parce que niveau maniabilité, il est pas mal du tout. Il y a une répartition du poids qui est pas idéale. Mais sinon, il est vachement maniable, il est agréable à conduire. J'ai rien à dire, quoi. Je suis pas hyper convaincu par ce scooter. En fait, en termes de prix, il est bien pricé. On est à 3349 €. On a deux batteries LG, plus le moteur Bosch de 3000 watts et en plus le petit coffre à l'arrière. Vous l'avez compris, je l'ai bien aimé. Mais en termes de sensation, en fait, le problème, c'est vraiment cette gestion de la courbe d'accélération que j'ai trouvée très frustrante. Ça gâche un peu le plaisir sur la route. La carrosserie qui est un peu entrée de gamme, mais en même temps, à 3349 €, on paye surtout le moteur et les deux batteries. Mais voilà, j'attendais plus et je suis un peu déçu sur ce scooter. Mon test du scooter Revival, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de technologie et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.